Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, super expérience en vue, regardez, on va survoler Mayotte dans ce petit avion certifié, c'est un cousin du Jodel, un 4 places, et c'est parti pour une grosse heure de vol au-dessus du lagon, au-dessus du mont Chungi, au-dessus de toutes les beautés de Mayotte. Apparemment là en fait Mathieu, c'est notre pilote du jour, il aime bien la voltige, ça risque de bouger. Quelle expérience, excellent, c'était génial. Bon, on arrive avec les t-shirts complètement trempés, j'ai dû perdre encore aujourd'hui 10 litres d'eau, mais c'est pas grave, les sensations étaient là. Ouais, ouais. Et puis on a vraiment pris plein les yeux, on se rend compte du potentiel énorme de cette île, le lagon est juste une merveille. On va l'explorer aussi sur un bateau, comme ça on va pouvoir voir toutes les facettes de ce magnifique lagon, l'un des plus beaux du monde. Ouais, quelle claque. Bon, essayez de faire la même chose que nous, hein. Rendez-vous aux ailes Mahoraises, l'aéroclub de Mayotte. Allez, on suit l'aventure. Bon, encore une expérience de fou à Mayotte. Là, on est parti toute la journée avec Lagon Aventure, dans le petit bateau qui est là-bas. Et on explore le lagon à la recherche de la faune locale, comme les dauphins. Là, malheureusement, c'est un petit peu tard pour les baleines. Mais en tout cas, on va en prendre plein les yeux. Là, regardez, on est sur l'îlot de sable blanc, ou autrement appelé l'îlot de riz, au sud de Grande-Terre. Là, franchement, c'est un vrai petit paradis. Ça nous rappelle, nous, les Philippines, un petit îlot comme ça de sable qu'on avait exploré à côté de Siargao. Là, franchement, on n'a pas l'impression d'être au paradis. Sur une plage paradisiaque et quasiment déserte, on est sur l'une des plages de Sazilé, à la pointe sud de Grande-Terre. On vient de manger en fait un super petit repas, poulet, riz, coco, c'était super bon avec le petit punch en apéro. Et puis là on se balade sur la plage, regardez, il y a des baobabs qui doivent être centenaires, petite impression de Madagascar là. Et on passe vraiment une journée magnifique, l'équipe est vraiment très très cool. Et notre capitaine du jour, il est excellent, il connaît vraiment bien son environnement, il nous a appris plein de trucs sur les tortues, sur les mammifères marins, sur l'environnement. Donc c'était vraiment passionnant.